Non, vas-y, go. Et re à tous. Melon Chat, premier sur l'application. La suite de Aiden Agenda. Non, mais qu'est-ce qu'il faut ça? Je veux dire que c'était un QR code ou quoi? Ça marche. Allez, voilà. Il manque plus que Melon et c'est parfait. Melon, regarde le téléviseur parce que sinon ça marche pas. Mets comme ça. Faut que tu regardes. Prends photo du coup, c'est parfait. T'as vu, ça marche. Allez, mettez continue maintenant. C'est complètement fou. Let's go. C'est incroyable. Oui, Narcus. On y va. Donc là, c'est les choix qu'on avait fait lors de la fin de l'acte 2. Ah, tu peux. Tu peux le sortir du couloir de la mort. C'est vrai. Oui, on avait le choix. Ouais. Non, Calvary, pas toi, pas maintenant. Mais il faut le sortir plusieurs fois en plus. On voulait vraiment qu'il reste mort, quoi. Il y a un moment où on va devoir le faire sortir. Et l'autre il va crever, Jean là, je sais pas quoi. Oui. Tu as trouvé la preuve que le. Il y a des prostituées. Ouais, ça va. Oui, aussi des prostituées, mais qu'est-ce que c'est? On parlait à Simon Larry. Simon Larry, c'est moi. Oui, c'est toi. Regarde, c'est un homme mal fort, regarde ce V. Chacun de vous va avoir une intention finale. Oh yeah! Trop bien. Vous avez jusqu'à la fin de l'histoire pour tenter de réaliser ses intentions. Oui, c'est très certainement le dernier acte, les gars. Réalisez votre intention finale pour gagner un maximum un maximum de points. Il y a égalité au sommet. Putain, regarde ça. Alors, qui va prendre la tête? C'est des trois mastermind et derrière, c'est les deux cons, quoi. C'est vrai, je suis à 50 points de vous. J'étais counter 100 points, quand même. J'étais counter 100 points. Bon, c'est le comeback, du coup. Je pense être un bon mastermind pour l'instant. Ah, c'est le comeback. Ah, j'en ai encore. Ok, putain, j'ai pas vu. Starfoula. Je jure, j'ai l'impression qu'il me parle chinois. Je te jure, mec. T'es vraiment chaud, quoi. Je sais pas de quoi il me parle. Je sais pas de quoi il me parle. C'est une galère, hein. Oh lolo. Bon, les gars. Et maintenant, HF. L'acte 3 d'Iden Agenda. Ta carte. Comment ça, t'as rien compris? C'est des mots. Je le dis. Tu verras, tu verras. On en parlera après. Non, on en parlera après. T'en as une, toi, Chap aussi? Tout le monde en a une. Non, ils m'en ont pas donné. Oh non, t'es trop nul! Ça a bugs! Run grill. Par le temple. Tic-tac-tic. Après, on va peut-être en commun. C'est qui finit déjà? Ah oui, c'est Chap. Tu vas crever, Chap. J'espère. Ils servent des mojitos ici? Vous pensez que c'est moi? Becky, en toute honnêteté, ça vous ressemble un peu et ça va pas vraiment arranger votre cas. En vrai, dans l'hérité quand même. Hein. En vrai, les deux sont pas dans de bonnes situations, oui. À mon avis. Donc... Oui. Je pense que les deux doivent faire leur victime. Non, mais non, parce que à ce moment-là, tu vois quand même la meuf que t'as vue dans l'orphelinat qui a fui. Tu vois, genre dans ta tête, c'est un peu ça, tu vois. Comment ça? Pourquoi je montrerais ça? C'est-à-dire, elle veut dire quoi? Pourquoi je montrerais ça? Moi, je mets à droite. C'est qui, ça vous ressemble et ça ne va pas ranger votre cas. En parlant du fait qu'elle ait tué l'autre. Ouais. Oui, mais là, les fractions. C'est elle, nous, on a tué personne. Enfin. On a la preuve qu'on n'a pas tué l'autre parce qu'on a la vidéo. Ouais, on a la vidéo où le mec. Ouais, t'as raison. Les gars. T'as raison. On a la vidéo où on voit très bien que c'est pas nous qui l'avons tué. Non. Ok, échappe, c'est bon aussi. En fait, sûrement, il y a 4 d'un côté, l'autre il vient. Comme moi, j'ai fait déjà 2 fois, ouais. Sinon, on s'en sort pas, quoi. J'avoue. Ouais, mais là, Melon, on va à droite. Contrôleur. Tu vas à droite, tu vas aller. C'est bon. En gros, ils ont une intention finale où ils doivent faire des trucs. Ouais, c'est bon maintenant. Allez, c'est bon, baise-les. Mon cas, c'est vous qui vous êtes introduite sur une scène de crime. Je suis pas la seule à l'avoir fait. Le gars de la vidéo, à la capuche, c'est celui que j'avais poursuivi. Vous êtes sûre? Certaine. D'accord, bon. Si cette prostituée travaille avec le piégeur, pourquoi? Elle les attire et elle les tue, et lui, il pose les pièges. Pas bien vu. Mais c'est qui la prostituée? C'est dingue, mais peut-être. Ouais, les deux sont ok. Elle regarde les points. Non, mais attends, elle regarde vraiment les points? Non. Vas-y, je vois ta gauche. Ah, ses yeux, ils partent en couille. Non, elle a un script dans les yeux, je crois. Si, regarde, elle regarde mon point. Attends. Ah oui, je vois, je suis les points. On va? Non. Attends, laissez un point. Ok, attends, dis-moi, je sais ce qu'on dit. Elle suit la majorité, non? Ah non? Non, elle est un pattern, en fait. Non, en fait, elle est mentale. Ah, je... Non, elle est mentale. Il y a un truc qui m'échappe. De toute façon, on était trois à gauche. Où est la prostituée?
Elle entre dans les toilettes et le type à capuche en sort. Oh, nice. Merci. Il est poli. Quand Calvary enquêtait sur le piégeur il y a 5 ans, il avait un très gros point noir. Les prostituées. La première cible, le croque-mort, rencontre une prostituée le soir de sa mort. Le père Rominski, un habitué des prostituées. Et là, Calvary c'est se fait C'est beaucoup trop prostituée, je trouve. Ouais, ou ça, quelqu'un ça qui y ressemble. Peut-être que le piégeur utilise une prostituée pour attirer ses victimes dans un endroit qu'il a déjà déterminé. Ce qui est assez... que je sais plus trop quoi penser. J'ai l'impression que tout le monde veut ma peau. Avec moi, inspecteur, vous ne craignez rien. Oula, oula, Kayla, doucement. Se calme, personne à l'abri déjà. Personne à l'abri. Ça goût. Santé. Allez, Melon, il va pécho Kayla. Allez, oh. Ils vont Ken. Peut-être que Finn dit vrai. Et qu'Adam Jones est effectivement derrière tout ça. Mais s'il est vraiment derrière tout ça, il est où, là? Vous savez quoi? Il se fait tard. Ouais. Mon conseil, allez dormir. Et apportez tout ça au sergent demain matin. D'accord. À demain. Ça va, Kay. Pauvre melon. Ah, plus de batterie en plus. Allô, c'est chaud. Sacré vie. On va avoir des problèmes. Oula, oula, oula. Oh non, elle nous a drogués. Oh non. Ou alors quelqu'un nous a drogués. C'est ça. Je pense pas que ce soit la. Ah voilà. Oh, c'est qui elle? C'est une serveuse. C'est sa sœur. C'est la serveuse une prostituée. Elle s'en ressemble. C'est pour ça que c'est la première meuf qu'on sauve au moment où elle était dans un bar. C'est elle s'est fait droguer et après elle s'est retrouvée dans la chambre, tu vois. Ah oui, ça, et c'est la même méthode. C'est ce qu'elle disait. Rappelez-vous. Et du coup, elle va se retrouver piégée. Allez, melon. Le beau jeu en toi. Contre les effets de la drogue. Contrôle le THC. 20h40. Graves. Hé, Lana. Ouvre l'email. Vite. Kelly. Oh. D'où que ça vienne, l'auteur a de bons arguments sur la culpabilité de Marnay. Et pas c'est que pour Calvary. C'est les fichiers audio. Cette grande gueule de Marnay me fait vraiment halluciner. Il faut qu'on fasse gaffe, ou elle est capable de faire foirer toute l'opération. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a menacé, toi, nous tous. Elle est devenue dingue. Quelqu'un garde ça dans un coin depuis un bail. Est-ce que tu as reconnu les voix? Non, je devrais. Ça a été confirmé. C'est deux des agents qui ont été tués par le piégeur. Bah, tu sais... Quoi? Marnay a un comportement bizarre. Je la déteste, toi. Ça me fait mal de le dire, mais c'est cohérent. T'es en prison, faut que ta gueule. J'avoue. C'est celle qui m'a mis au reps. Moi, je suis bizarre, mais... Pour l'instant, je ne suis pas suspecté. C'est vrai. Bon, moi, jamais, hein. Je suis le sergent, je suis... Ça joue la suite là. Oh, il y a un gros chargement, ça veut dire grosse scène. Là. Scène de ouf là. Grosse scène de fou. Non, non, regarde, charge sur en bas à gauche là. C'est sûr qu'il y a une grosse scène de fou. Ça va être long. Ah non, c'est même pas là en fait. Elliot Hotel, ok. 8h30. 8h avant l'exécution. Ouais. Oh, elle est trop attachée. Oh, il y a une bombe sur le ventilateur. Il est pauvre, son. Ah. Pourquoi est-ce que t'es pas attaché, Melon? La fameuse bombe. Allô? Après, ils essaient de se faire... Ils essaient peut-être de te faire passer pour le suspect, genre. Allô, la bombe. En mode, ils veulent que... Peut-être qu'il y a un cas... Ouais. En gros, peut-être qu'ils vont te mettre dans une pièce. Ouais, voilà, tu vois. Ah. Et genre... Ouais, voilà, c'est ça. J'ai joué un stone. Oh, merde. Oh, mon Dieu. Les salauds. Oh, merde. Ouais, la bombe est dans lui. Ça va être genre toi le suspect et tu vas te reculer. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh merde. Qu'est-ce qu'elle m'a foutu dans le ventre? Le nom de Dieu. Oui, 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 oui. Le piégeur vous a opéré, bah super utile ça. Ouais, mais ça sert absolument à rien. Genre vraiment c'est le truc ça. Vous avez quelque chose dans votre quoi main? C'était... Qui ça? Elle. C'était... Une prostituée. C'était une femme. Une prostituée. Ah, bravo, ça nous apprendra. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Oh putain, c'est horrible. C'est ça la scène qu'on avait à la fin de l'acte 2. Tu sais, on avait la meuf qui lui... Oui, c'est ça. Comment va votre tête, inspecteur Marnet? Ils viennent nous arrêter. Ils savent que c'est vous. Ils savent que vous avez tué tout le monde. Il n'y a pas d'issue. Vous êtes le piégeur, Mickey. Oh là là. Bon, dans tous les cas, c'est fucked up. C'est dur là, dans tous les cas, tu faisais pas tes larmes, tu me dis vas-y go. Pourquoi vous faites tout ça? Victime quoi. Expliquez-moi. En plus, on a du temps. Vous avez pas assez foutu mon piège. Je vous en prie, inspecteur Marnet, à quoi bon? Vous ne m'intéressez absolument pas. Bon, il s'en bat les couilles. Ah oui. C'est ça, il veut juste que. Vous pourrez encore en sortir vivante, si cela peut vous consoler. Mais il va falloir m'écouter attentivement. Oula, allons-y. Vous remarquerez qu'il y a un petit cardiogramme attaché au poignet du juge Van Stone. Il est synchronisé à un téléphone portable que j'ai chirurgicalement placé à l'intérieur de son ventre. Le téléphone est le minuteur, mais ce sont les battements de son cœur qui font défiler les secondes. Plus son cœur bat rapidement, plus le temps défile. Ouais, ça, faut le tuer. Et savez-vous ce qui adviendra? Une fois que le compteur atteindra zéro, game over. Pour vous et tout le monde dans un rayon de 30 mètres à peu près. Si elle s'en va. Ce qui inclurait aussi tous les policiers qui se précipitent partout pour vous arrêter en ce moment même. Vas-y, go le fumer là. Allez, copien. Oh, pour pitié! Pitié! Là, vous jouez à droite. Pitié! Ce qui est rose. C'est moi, je fais. C'est la victime, c'est bon, je suis RP là. C'est mon perso, mais non. Quel est votre but? Mais m'écoute plus. En tout cas, pas de me faire analyser par un flic de seconde zone. Non, trop cher. T'es là. Parfois, tirer est la seule solution. Quoi? Ah, c'est quand on est tiré sur l'autre, c'est pour ça? Vous pouvez courir, mais je ne garantis pas que je ne ferai pas éclater le ballon plus tôt que prévu. C'est sûr que c'est la femme le plus. Et il y a assez d'explosifs. Non, il est trop déçu, il est voué à mourir en tous les cas. Putain de merde. Lui, il est voué à mourir en tous les cas. Vous utilisez votre arme sans raison. Arrêtez son cœur, vous arrêtez le chrono. Non, c'est pas possible. Moi, je peux faire ce que je veux. Vous, vous pouvez vivre ou mourir. C'est à vous de choisir. Mais l'horloge tourne. Peut-être qu'il y a des indices dans la pièce. Pourquoi il va absolument. Attends. Qu'est-ce que ça lui apporte qu'on le tue ou pas Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous allez me sortir de là? Il veut que elle. Oui, non, mais ça j'ai compris. Mais... Enfin, qu'il la tue ou pas. Fuir ou rester? Tu peux pas fuir, y'a le flic qui arrive, gros. Tu veux rester pour chercher des trucs? Je me casse. Hé! Où allez-vous? Non! Ne me laissez pas! Ça, c'est comme le premier choix en plus difficile. Arrête! En plus, fuir, ça va péter, non? Oui. Mais cours, wesh. C'est vrai que c'est le battant de son cœur. Il panique. Vilain. Hein. Aider, qu'est-ce qu'on va l'aider? Moi, je me casse, hein. Ah bah. C'était fou. Quitte, tu te feras attraper, genre, tu seras inculqué. Ah, tu seras incriminé direct. Mais mec, tu lui tires une balle dans la tête, t'es incriminé aussi, je peux t'assurer. Tu vas trouver un autre truc, peut-être que tu vois, pendant la minute, tu vas trouver un truc. Tu vois, c'est pas fini. Oh bah, go à droite, non, ça crie. Si à gauche, il va transpirer. Oui, bien sûr. Pour l'instant, on a tout le temps qu'il faut, ok? Alors. Le gros mytho. On est tout tranquille, ok? Il nous reste quoi? Une minute? Gardez votre calme. Ils ont trois inhibiteurs, les Nashers. On trouvera une solution. Bon, si vous me retirez ce téléphone, il peut rien m'arriver, si? Il faut que vous le sortiez de moi. On l'opère? Let's go, c'est parti, hein. Opérer. Ouais, on est resté, restons jusqu'au bout. Je m'en tiens pour me tirer. La meuf indéciste. Je reviens. On veut l'aider, mais l'opération, non, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire, genre. Qu'est-ce que vous faites? Attends, on revient deux secondes. On revient. Allez, on y retourne. Mais non, c'est le mec qui sait pas ce qu'il veut, quoi. Le mec trop chiant, genre. Mais on y retourne. Il reste moins de 20 secondes. You have to leave. Les policiers, on les entend dépasser deux secondes. 30 mètres! Oh, le bon game over quoi! 30 mètres, cours! 20 secondes, t'es mort 100% là, mais comment tu t'échappes, genre? Oh, une serviette! Oh putain, bien joué! J'ai un level de fou. Mais je pense que ton téléphone est shit. Non. J'ai des réflexes. Il a menti alors! J'ai des réflexes. Wow! Oh, souvent on avait une serviette, ok. On est mort là. Vous êtes nul! Ah, si on a une serviette, ça va alors. What? Tout l'étage a explosé, on est d'accord? Bah oui, il avait dit 30 mètres, c'est plus joué 30 mètres déjà. Attends, mais non.
regarde vers l'hôtel. Non, si on ne sait pas vous mourir, on va mourir. Oula. Oula. Chargement. C'est pour la grosse scène. Non, en fait, j'en ai vraiment la seule. Hop, hop. C'est le petit, le gros enculé, genre. Bon, oh, je m'en vais. Non, en fait, non. Bon, si je me casse. Becky? Ouais. Écoute, on peut trouver une solution ensemble. Mais si t'es là-dedans, sors pour qu'on te conduise au commissariat. Je pense que c'est pas possible. Oh, c'est bon, on va niquer sa mère un peu. Becky? T'es toujours là? Tu veux bien me répondre? Bah, deux espèces d'enfants. Oh, l'enfant de John. C'est bon, ça, c'est le beau jeu, ça. C'est le beau jeu de faire le jump, c'est fort. Elle a bien un beau jeu, en dessous. Le saut de l'ange. Ok, le nouvel jump flash. Vas-y, je peux pas te rendre comme ça, là. Moi, je te rends. Depuis tout à l'heure, on dit genre, on fait le beau jeu. Le vert. Oh, il faut chuter tout. Oh oui, d'accord. Ça, c'est pas pire, ça. Trop fort. On a pas dit en plus tout le monde, hein. Ça va. What the fuck. Allez. Ah, c'est non ça, quand... Tu peux pas me tuer moi, vous, c'est mort. Arrêtez-vous, j'ai dit, on ne bouge plus. Tu l'as bleu. Hors de mon chemin, par contre. Alors là, clairement, mec, j'ai pas envie de me faire fumer. Non, on peut pas, on peut pas. C'est chaud, parce que là, on est juste, si on y va, alors que si jamais... Mais est-ce que... En fait, le truc, c'est que... En gros, si tu fais apaisante, quoi qu'il arrive, il va t'arrêter. Bah oui, il va t'arrêter et il y a trop de preuves contre nous. Alors hors de mon chemin, il y a peut-être moyen de fuir, tu vois. C'est le point de fuir et de fuir le pays, tu vois. Chat, t'es à 50-50. Ouais, voilà, je Vous laissez pas passer. Ne m'obligez pas à me répéter. Lâchez votre arme, inspecteur. C'est juste que tu vas tirer sur mon sac. Laissez-moi régler. Oh là là. Ne m'obligez pas à tirer. J'ai dit à terre, je le répéterai pas. La tête, la tête. Pas de victime. Tirez. Yes, let's go. On a raté. Non, j'ai mis moi. Non, on a raté. Ah non, c'était roux moi. Oh, on a tous raté. Putain, on a pas le time. Oh, non, non, je vais plus tirer sa corde quoi. Mec, c'était vraiment super rapide. On se casse, c'est bon. Cassez-vous. Chab, il veut trop qu'on se rende à la police là. Il a son truc. À chaque fois, il est tout seul pour se rendre. Oh, il le laisse passer. Non, faites tout. Ok, c'est un fou. Ah. What the fuck? Sinon, tu serais mort. Moi, je dis, c'est perdu. Non, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Regarde, tu pars dans les égouts. Oh, parti ninja. Voilà, ça va, on était tous. Juste qu'on était pas prêts, tu en parles. It does not exist, you cannot fuir. Allez, ça coûte, tu rentres dans les égouts. Allez, c'est bon, on y va. Bah, non, on y va pas, bon, c'est crade. Flemme. C'est fuck. Il fait moins 15, non? Non, moi ça va. J'ai trop froid. Ah ouais, pourtant t'as une veste. Oh, t'as la super. T'as la super. T'as pas rien. Si t'as la veste, tu as bonnet peut-être? Tu tiens trop chaud. Ouais. Tu as un bonnet solaire pour tenir chaud. Avec le bonnet, trop bien, lâche trop bien. Ouais, mets le bonnet solaire, il tiendra très chaud. Il coûte seulement 19,99€. Exactement. C'est offert sur la boutique Solari, on rappelle. C'est quoi? 19,99€. Oui, c'est offert. Trop fort. 19 ou 24, je sais pas. Ok, ça va. Respirez à fond. Merde, j'ai pas besoin de respirer, Felicity. Quelqu'un m'a piégé. Et maintenant, on va dire que j'ai fui la scène de crime. Écoutez, je vais prendre votre défense, vous le savez bien. Mais il faut que vous vous rendiez, ok? Je vais vous dire... You are done. Il faut simplement que vous vous rendiez. Impossible de se rendre. Impossible. Merci à toi. Déçu, gros. Non. Merci à toi, Siaye, pour c'est le sub. C'est trop tard, c'est trop tard. Merci à toi pour ton sub. Merci pour l'abonnement. Ouais, c'est bon, tiens. Sacré chien. Je refuse de tomber pour ça. Quoi? Elle est insane. Elle se casse, tu vois. Poulon, c'est vraiment le solo player. Hein. Full beau jeu. Non, c'est pas fini, Impossible. Y'a pas un 2 qui va sortir plus tard. Non, mais c'est pas fini, là, c'est... Putain. Mais moi, j'ai trop le seum. Mais moi, c'est que j'ai trop le seum parce que, en gros, mon truc, c'était éviter la boisson, en fait. J'ai pas réussi. Et le truc, c'est que. Je vais faire mourir Becky, j'ai pas réussi. En gros, pour la boisson, on a voté trop vite. Ah oui, moi justement, mon astuce, c'était, c'était que Melon meurt. Mais je pensais qu'il mourrait, l'autre, il dit 30 mètres, l'explosion. Moi, je suis en mode c'est bon. Et le tueur meurt, tu vois. Si on avait dodge la boisson, le tueur mourrait. Mais genre, on a voté le truc en deux secondes. On était tous là en mode oh, parce que moi, il fallait que je Non, mais il a pas gagné.
Dès qu'il meurt. Non mais en gros c'est le tueur s'enfuit. Le truc c'était le tueur s'enfuit. Ah oui. Alors objet trop de level, pourquoi allez voyons le fond. Moi c'était non, en gros c'était l'astuce. L'astuce c'était ah oui. que Becky meurt. Lui tu vois en gros c'était sûr que si Becky mourait. Moi l'astuce c'était boire le verre, c'était vraiment facile. Oui moi aussi c'était pareil, mais on a tous l'astuce boire ou pas boire le verre. Pourtant on était trois à boire le verre, du coup c'est en mode go. Moi j'étais en mode non, tu vois. J'étais en mode non, mais c'était bien joué. Putain, j'ai trop de level, hein, c'est un délire. Hein. Je suis trop déçu, normalement il est censé crever là, on avait réussi à trop temporiser là, entre aller-retour, aller-retour. Attends, mais je pas que c'est fini par contre. Parce que toi, c'est fini, c'est bien naze. Moi c'était que tu meurs. Moi c'était que tu meurs. C'est pas fini. Aujourd'hui, le juge William Thompson a été enlevé à son domicile. Non, parce qu'en fait au début c'était en mode. Parce que au début, l'inspecteur Becky Marnay a fui la scène de crime. Mais je suis dingue, mon truc était infaisable. Les autorités ont confirmé que Marnay était suspecté du meurtre de son collègue, l'inspecteur Jack Calvary. Une enquête est actuellement en cours. Le sergent Riggs vient tout juste de faire une courte déclaration. Il restait 20 secondes et il dit explosion de 30 mètres. C'est bon, elle est morte 100%. Autant qu'elle parte comme ça, elle n'a plus d'impact sur le truc. Elle peut pas trouver un truc à la con à la dernière seconde et elle crève, tu vois. Ok. Ouais, c'était pas mal. Mais c'était pas 30 mètres, c'était 30 cm. C'est ça. Becky Marnay est actuellement en fuite, mais soyez sûr que nous la retrouverons. Et qu'elle sera jugée. On peut refaire l'histoire en fait. Je suis pas juge. Pour refaire la fin, on va essayer de refaire la fin. Ouais. Vous avez fait des choix pas ouf à la fin, mais ça n'a pas fait un choix. Marnay avait-elle un mobile ? On jouait pas pour l'histoire, on jouait juste pour gagner. Oui. Oui, mais... Si je lui faisais confiance. Pour vraiment l'histoire, par contre. Ouais. Mais... Je veux savoir c'est qui le tueur, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Melon ? Je peux pas. Je pense qu'on n'a pas là. Oui, mais ça va le faire. Parce qu'en gros, t'as le mode histoire où on joue ensemble et t'as le mode rivalité où on fait l'histoire. Être un agent perturbé. Pourquoi avoir voulu l'aider alors que vous aviez vos propres problèmes ? À l'époque, vieux, je planais plus haut que l'ISS. Vous voyez le truc ? Oh, let's go. C'est le bad boy, quoi. Station spatiale internationale. C'est bon, je peux y aller ? Eh bien, Marnay a couvert ses traces comme une pro. Elle était de la maison, donc elle connaissait très bien notre façon de faire. C'est lui, hein, c'est lui. Enfin, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'est vraiment passé, à moins qu'on l'attrape. Et on l'attrapera. Je sais pas, ça a pas vraiment de sens. Je pensais qu'elle tenait une piste. Je ne crois pas qu'elle soit coupable. Trop sympa qu'elle. Ouais. Je la croyais. Je lui faisais confiance. Si on a payé 20 euros pour cette fin-là, les gars. Vous savez où est Marnay maintenant ? Sur le seulement. Avec un peu de chance, elle est loin. Mais non, mais on va pouvoir revenir dessus. Là. J'espère. Mais... Chat, toi, ton truc, c'était que... Oh, pour l'instant, regarde ! Bien joué, bien joué. Cet événement rapide réussi. Ouais, c'est le téléphone. Hein. C'est bon, sans le téléphone. Juste que je vous colle là, vous avez fait le mode multijoueur, quoi, en gros. Puis prise de contrôle. Ah oui, mais... Regardez, je suis le MVP, hein. 400 QI, hein, c'est fini. Ouais, hein. C'est normal, c'est les deux. J'aime la victime. Ça veut dire que j'ai réussi le plus de prises, tu vois. Mais les prises de contrôle, c'est pas quand t'as. Non, pas seulement les prises de contrôle, j'ai pas utilisé 9 prises de contrôle. C'était quoi du coup ? C'est le truc, là où t'as été, c'est là où les gens t'ont suivi. Le plus de. Je vois. Tu vois. Bon, passe, non ? Et non, ce n'est pas du tout une OPSP, hein. C'est un jeu qu'on a acheté. Ah, oui, le jeu n'est pas une. Le jeu est sorti aujourd'hui, on l'a acheté tout à l'heure sur la PlayStation. Et... C'est ça. En gros, il faut savoir que le jeu est sorti aujourd'hui, on s'est dit. Pour faire juste l'actu 3. Si j'appuie sur X, la merde comme ça, ben on le dira. Non, mais mec, tu vois bien qu'il y a un milliard de possibilités. En gros, tu peux retrouver ce jeu. En fait, il faut qu'on regarde s'il y a un mode histoire, il faut qu'on regarde si on peut le faire, et du coup, vraiment, on se met dans. Je suis vraiment deg pour mon truc parce que, genre, tu sais, je vous avais dit, moi, je comprends pas trop ce qu'il veut que je fasse. Et genre là, le truc, on arrive au moment des boissons. En fait, c'était un mode. Éviter la boisson, le tueur doit mourir. Et en gros, quand je vois les deux bières, j'étais en mode ah oui. Et genre, le moment où on a le choix, je vais commencer à dire un truc, vous êtes là en mode oh, on va boire. Oui, on va boire. Non, parce que t'as voté, il faut pas voter. Si tu votes pas, si les 5 votes sont pas mis, le truc passe pas. Mais pour le coup, mon vote, j'ai même pas fait gaffe en fait. J'étais pris de court, tu vois, en mode le truc est parti. En plus, moi, j'ai voté du mauvais côté. Je suis même pas rendu compte. T'as fait quoi, toi, comme truc? J'ai mis pas boire, moi. Attends, mais qui devait boire ? Et je devais boire. Moi, elle devait boire. Moi, elle devait boire. Toi, elle devait boire. Et vu tout le monde a vu, j'ai fait oh, bah ça va alors. Moi, c'est autre chose. Moi, j'ai pas un truc. Moi, j'aime pas ce que j'ai voté sur ce truc-là. On était trois à devoir boire, donc automatiquement, on avait gagné là-dessus. Non, parce que moi, je devais pas. Il y a des prises de contrôle. Moi, je me suis trompé, moi. Il s'est trompé, ce con. Oui, mais il y a des prises de contrôle. Il y a des prises de contrôle. Et tu sais, c'est une astuce, c'est pas forcément réel. Toi, il fallait que le tueur soit attrapé, mon chien ? Ouais. Moi, c'est l'inverse. Enfin, c'est en mode, en fait, en gros, apparemment. Enfin, en gros, c'est en mode le tueur doit mourir. Conseil, éviter la boisson. Donc je pense que si on évite la boisson, on est sur la bonne piste pour que le tueur meure. Bon, on va refaire à partir de là, tu vois. Mais c'est le début de l'acte 3 de toute façon, ça. Ouais. C'est le tout début de l'acte 3, ça. Oui. Non ?
Oui, je crois que l'acte 3 se part en coup direct. Oui, l'acte 3 c'est parti très très vite. Il y a moyen de contrôler ça. J'ai pas vraiment envie de le voir jusqu'à la fin quoi. C'est sûr, c'est. Ouais, c'est bon. Bon, attends, je vais voir. Moi, c'était l'ascenseur avec la fuite. Ah, je peux pas, on est obligé de le voir jusqu'à la fin. Tu sais, je devais fuir au début, on fait. C'était un fuir, ça. Je suis content, je dis, j'ai gagné et tout. Après, aider. Oh non, on y retourne, putain, c'est chiant. Après, mais c'était trop drôle, hein. Fuir, putain. Ça, repart, je dis, oh, let's go. C'est trop drôle, hein. Mais tu pensais pas que t'allais mourir quand il restait 20 secondes et. Non, une fois que le dernier truc c'était fuir et qu'on l'a mis, je me suis dit, c'est bon, on fuit. Genre, ça me paraissait logique. Non, ça veut dire que peut-être que le moment où. Il y a des personnages qu'on connaît pas encore. Après, en vrai, dans l'histoire, du coup, moi je suis super suspect parce que du coup, on a le même pull que le mec qu'on a vu. Ouais, y a et plein de... on est là quand la meuf se fait droguer. Genre. Dans le jeu, il nous manque 15 personnages. Il y en a 15 personnes qu'on n'a pas vu. En vrai, c'est possible aussi que ce soit plusieurs histoires. Oui, il y a plusieurs histoires, c'est possible. Qu'en gros, là, ce soit la première histoire et qu'il y ait une autre histoire qui est même trame que celle-là. Mais je pense que. Non, je pense pas. Je pense que c'est la même histoire, mais tu peux aller à d'autres endroits différents, je pense. C'est sur PS4. Tu peux pas la contrôler ? Je peux rien faire. Je peux rien faire, faut attendre. Faut attendre la fin. Tu vois, tu peux juste quitter. Ah, si tu quittes, peut-être que tu quittes tout, si vous voulez, au pire. Ah non, fais start. Toi, je fais start. Fais start, j'appuie rond. Alors, j'espère que je me trompe, mais je pense que c'est juste une fin trop ouverte. Non, ça change rien. Aussi, on sera perdu au tout début. Parce qu'en vrai, ça se trouve, on va perdre notre sauvegarde et on peut pas retourner à l'acte 3. Aussi, ce qui est possible, c'est qu'au tout début, si on arrive à sauver l'otage ou le flic, ça change complètement l'histoire. Bah oui, mais ça change tout. Parce que le mec est encore en vie et tu peux communiquer avec et tout. Mais ça, non, mais en vrai, on a mis. C'est qui ? On était 2-2. Il y en avait un au milieu, mais ça laguait. C'était au début. Ça laguait. En gros, on n'a pas le temps de mettre là où on voulait. Et puis, c'était le tout premier truc, c'était en mode. Oh, il meurt. Non, lui, il est sauvé. Et puis, c'était le zoo, genre. Moi je vais me sauver parce qu'au début le renoi flic c'était censé être moi donc j'ai mis sauver le flic. Mais je crois que j'ai pas eu le temps, je crois. Je suis pas sûr. Parce que la base de Dixon c'était la meuf attachée, je voulais juste qu'elle crève. C'est le but. Mais je veux que c'était ouf parce que tu vois, on pouvait faire soit vivre l'un, soit vivre l'autre, soit faire mourir les deux. Tu vois, ça ouvre tellement de possibilités parce que la meuf qui est attachée, elle a des infos. Tu vois, ça se trouve typiquement, c'est quand t'as le flic qui t'aide, quand tu vas à l'orphelinat, il est avec toi et vous chopez le mec qui court. J'en sais pas ça. C'est trop optimiste. On entend pas ça quand ? Passez. Ah, oui, c'est bon, ouais. Oh, allez. Pardon. Des petites céréales. Oh. C'est quoi ? Ah non. C'est les rattrapes. Encore ? Wow, ça fait beaucoup, monsieur, là. C'est moi, je suis en chemise. Tu sais que c'est pas du tout cramé, en tout cas. Non, ils vont nous spoil. Non, faites pas ça. C'est bon. Waouh! Vous avez l'air d'avoir un sacré problème de rats. Mmh. Ah, voilà, c'est juste la fin. Bon, c'est tellement du hinting par contre. Mais gros, c'est pas un bait, c'est du hinting, c'est tout. Si c'est vraiment ça. Attends, c'est quoi continuer? Continuer. Oh les enculés, ils ont tellement hit. Reboot-le au pire. Attends, je vais voir rivalité si on peut reprendre à partir d'un certain endroit. Attends. Non, démarrer c'est tout le début je crois. Mais y'en a qu'une sauvegarde. Il n'y a aucune sauvegarde trouvée. Aucune sauvegarde. Mais oh c'est ça, juste lui, c'est lui le... Le tueur, oui. Le tueur. Oui, c'est doux. Et juste, en rejoint plein de fois, on aura juste plus d'indices qui nous montreront que c'est lui, mais ce sera toujours la même histoire. Hein.